Grêle qui a tout... T'as vraiment tweeté il y a 4 minutes. Je commence à comprendre Steve. Oh là là. Oh là là. Normalement, il n'y a rien qui change. Vous avez juste à vous brancher au cas où. Oh, sérieux, Schultz? Tu m'enverras une photo? Moi, j'espère vous voir tous à Hitsun prochainement le 31. Quoi? Quoi? Normalement, c'est Grail. Grail, tu peux inverser. Tu peux juste inverser. Piou, faut que tu descendes un moment dans le sud. Faut qu'on te. Moi, j'ai envie de te voir. Malheureusement, je n'ai pu te voir que. Parler avec toi que au Smash Barbecue. Et... 2-0. Sérieux? Ah! Il y a l'arrivée de Mika, ton meilleur fan, Grail. 2-1 ou 2-0? Ok, bah t'attends de jouer. C'est parti! Non, mais on fait des Monthly 64 maintenant. C'est parti! Attendez! Oh là là. Ça commence déjà par du très très sale de la part de River qui doit connaître déjà à fond le match-up. Ça me détruit. Oh là là. Le personnage préféré des joueurs, l'arrivée de Steve de Grail, déjà qui potentiellement nous détruit quasi tous avec sa min-min. Oh là là. Une petite back throw, il va tenter de craft des choses. Je pense qu'il sait pas qu'il peut faire bouclier B et ramener la table de craft à lui. La Grave, il joue que à l'épée en bois, il n'y a rien besoin d'autre. Aïe aïe aïe. Ah oh là là. River, il prend ses distances quand même, hein. Ça se voit. Par contre, j'ai vraiment l'impression que les diamants maintenant ne sortent pas. Hein. Ça tente dédinguer. Mais pour l'instant, River qui profite. Qui... Ça va arranger le Steve. En vrai, seul problème, c'est que voilà. Il faut vraiment trouver des moments où miner. Et pas profiter de la... Genre envoyer en désavantage, profiter du moment pour miner et éviter de tenter des choses. Mais là... Oh, le up smash avec la pioche en bois, ça dure tellement 1000 ans. Ah oh là là. Première stock prise. Du côté de Grail. Ça tente de... What? Oh, j'apprends encore des choses. Ah, plus rien dans la barre. Pour l'instant, ça devient compliqué. Dernière stock. J'ai perdu. Oh!
Oh là là. T'as perdu contre Jay? Non, contre Crow. Crow, il a gagné combien? 2-0. Et Crow, il a gagné 2-0 contre moi. Tu vas te faire insulter par Toxa et Eric ou c'est pas vrai? Oh non, bah, j'ai joué comme de la merde tout ça. Oh, c'est pas grave, ça arrive. Ouais, c'est comme Crow, il m'a dit, il y a des jours avec et des jours sans, mais ça me suit quand même. C'est vrai. Ah, quoi? Qu'est-ce que je vois? Ça a agi chaud, Steve. Ah, les modes! Oh, les modes! Putain, j'ai toujours été très fan de Alex dans Steve. Oh là là. Grel, en fait, je comprends pourquoi il est allé à Toulon. En fait, il est avec son peuple de gens qui jouent tous les persos. River qui peut profiter de cette avance pour arriver en winner final. Oh là là. Donsrow, Backer. Ah, elle est vraiment pas dégueu quand même, ça pas Utena. Hein. La Grail. Aïe aïe aïe. Une backthrow, ça va être tranquillement. Ça va essayer de spike, mais ça n'a pas réussi. Oh là là! Le side B qui est passé. Voilà, hop. Il y a eu combien, Maxey? Oh Max, on a fait le même classement. La chute. La chute des tops. Oh, je te jure, je suis saoulé. Des tops de quoi? Oh ouais, je suis... J'ai fait un upset. Ah ouais, mais ça, c'est bien quand même. Moi j'ai fait upset deux fois. Petit vaquière. Bon, je vais essayer de caster un peu. Allez, courage Nécros. Ça va me remonter le moral. Remonte la joie de vivre. Alors du coup... Donc on est sur PS2, on a Grel qui a pris la Palutena et on a River avec son Darren des familles. Qui pour l'instant est en désavantage hein, face à la Palutena. A voir comment il s'en sort. Est-ce qu'on va... Non, on va pas avoir l'Echtrop qui va être réussi. La backstroke de Palutena qui va aller prendre la stock au Darren. Et j'ai jamais vu la Palutena de Grail pour le coup. Je sais. J'avoue que moi aussi, et vraiment, malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de Palutena à part Ismaël hein, qui était descendu. Oui. Et là, c'est vraiment, il met des petits backers et des petits nerfs qui amusent tout le monde. Un peu le Raiden moteur de la Palutena en somme. Ouais, hein, c'est là pour le coup. Pour le coup, voilà. Hein, c'est le moment où ça la joue beaucoup, Grail, sa Palutena. Ça, c'est une question que je lui poserai plus tard. Et Dawn Smash qui passe et qui va prendre la stock là. River qui peut peut-être remonter ça. Il n'a que 34% de retard. Ah, attention. Ah oui, non, faut être prudent là côté. Oh, le neutral B qui active le neutral B adverse. Ouais. Ouh, ça a tenté de se faire à tout là, mais c'était peut-être un peu trop. Ah, le nerf. Ouais non, ça prend le Nosferatu, ça récupère un peu des pourcents, mais ouais, ça essaye. Ça va être compliqué hein, là, à mon avis. Peut-être sur un ledge trap. Tout peut jouer sur une erreur de Grail. Hein, ouais, sur un petit ledge trap, pas piqué d'un ton, mais là, ouais. Vraiment, il fait des esquives. Ah, on a anticipé, je crois, une air dodge neutre. Oh là là. Ouais, mais là, franchement, sur un malentendu, ça peut passer. Hein, ça a tenté un contre côté Grail, mais qui n'a pas abouti. Une tentative de grab qui n'est pas passée. Ça va se faire punir. Il lui reste un peu de vent. Oh, Nosferatu. Là, les petits tomoks de Nosferatu que River nous fait, c'est assez délicieux. Hein, faut pas se mentir. Oh. Et le side 2 qui va pas prendre la stock. Peut-être. Non. Tout va bien. Oh là là, ça c'est très dangereux. Et le père qui va pas tuer.
Je suis sûr que ça va partir là, sur un autre match. Les 200 kills pour cent, là, vraiment, la River, il faut qu'il joue très, très, très patient. S'il veut espérer prendre ses games. Il va encore faire des petites trajectoires magiques pour esquiver tous les projectiles. Ah bah attends, en vrai, oh, bah, tu vois, regarde ça. Là, il est en désavantage. On n'a pas profité de ce contre échoué de la part de Grail pour prendre la stock, malheureusement. Là, ça joue un peu le jeu du zoning. Hein, c'est... Oh là là ! On aurait pu trouver un grab qui aurait pu le tuer, mais... Oh, dommage, on n'a pas l'épée, on n'a pas l'épée, on n'a pas pu le tuer, malheureusement. Il a l'épée, mais il en voit que... Ouais. Oh, okay. Il y a la connexion, là, ça prend, puis on peut parler de match. Merci. Oh, et ça tue le backer qui vient prendre la stock. Et River, du coup, qui upset Grail. Et... Et là, ça va mettre et... un fuck Steve. Oh là là. Aïe aïe aïe. Mais tu joues pas Lutena souvent ou... Là, ça fait longtemps quand même. D'accord. Gawain Wookstom. En tout cas, GG à River qui vient prendre la. Qui prend, non, ouais, qui prend, la, prend la, le set même et qui se retrouve en winner final. Qui va rejoindre Gawain ou Wookstom en fonction de la victoire. Et Gawain est en winner semi-finale. Ouais, ouais, Gawain il roule sur tout le monde. Bah, il a gagné contre Pan. Gawain il est trop fort. Ça, c'est la chemise, ça, je suis sûr. C'est parce qu'il est habillé en mode Black Is the D. Silver a gagné 2-0. Ah. C'est pas parce qu'il a une belle chemise qu'il est riche. Donc on a fini notre top 16. Valve Crow il est lancé. Donc c'est Pan contre toi. Courage. Et aujourd'hui je vais faire des tests. Et Pan il a faim. Je vais tester jouer avec le son du jeu. Pan il est tombé contre qui en... Il est contre Gawain. Et sauf qu'il jouait héros. Ouais, ah. Il est en train de train son héros en fait. La place de Steve c'est dans la cuisine. Malentendu qui s'appelle Arc Fire Spice. Ah, c'est la cuisine. Le malentendu. La place de Steve c'est la cuisine. Trady, Trady qui a trouvé un nouveau collègue qui a battu Steve Grail et c'est donc River. Oh, 32. Bonjour à tous. Salam. Comment le raid chez TPK à la fin il va être comme ça. S'il reste autant de gens. Normalement il serait. Gawain contre Grail. Non. Grail est en loser là du coup. Y'a temps les gars.